Voici l'histoire d'un terrible assassin qui était connu pour être vachement redoutable. Il fut chargé de tuer un magicien qui était connu comme le dernier des minables. Avec ses copains, il en avait beaucoup. Les voilà sur les chemins, faut une chance de cocu pour changer son destin et sauver son cul. Bonjour, je suis Fratch le Barde et je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un assassin dont le métier est de tuer les gens. Et il est vachement doué. Il est même tellement doué que quand il tue un mec, le mec meurt. Un jour, on lui demande de tuer Antonius, qui est un magicien. Antonius, lui, il est franchement pas doué du tout. Il est même tellement pas doué que quand il apprend qu'un assassin en a après lui, il est pas fichu de se défendre tout seul. Alors ses copains se réunissent et ils ont une idée. La seule personne capable de défendre Antonius est son ancien maître, le mage Nécros. C'est un redoutable nécromancien. Mais il s'est fait virer de la cité de Brocéliande tellement il était pas sympa. Voilà. Parmi ses copains, il y a Edrom le chevalier. C'est un guerrier très fort et rempli de principes vertueux, comme on en trouve dans les romans de chevaliers, quoi. Ensuite, il y a Noah, le moine combattant, qui est un moine combattant qui tape très bien la main nue. Voilà. Ensuite, il y a Milo, le halfling, qui est très doué pour foutre ses mains dans les poches des autres et prendre ce qui lui appartient pas. Et enfin, il y a Fratch le Bard. Et Fratch le Bard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moi. Au début, j'avais pas tellement envie de partir à l'aventure. Seulement le roi des gnomes m'a convaincu que mes balades épiques seraient beaucoup plus réalistes, beaucoup plus fortes, si j'accompagnais personnellement un héros en aventure pour ensuite chanter ses exploits. Alors ensuite, le roi des gnomes, donc, m'a gratifié d'une élégante caresse sur les postérieurs de son royal soulier et je suis parti en suivant la direction indiquée par son orteil. Parce qu'il faut que je vous explique, en fait, je suis un gnome de Castelforge. Et les gnomes de Castelforge, en fait, ils ne supportent pas les histoires inventées. Quand tu leur racontes quelque chose, il faut que ce soit absolument vrai de vrai. Les contes de fées, les histoires, les romans, ils ne supportent pas. C'est pas compliqué. Chez eux, pour eux, un barde, c'est pas un conteur, c'est un bulletin d'information. Et c'est tout. Y'a pas moyen de leur raconter un truc sympathique, rigolo, marron, sympa. Je vais pas tout vous raconter, mais ce que vous devez absolument savoir, c'est que au cours des aventures qui ont suivi, c'est moi qui ai tout fait. J'ai composé la musique, j'ai écrit les paroles, j'ai chanté les chansons, j'ai encouragé mes amis par des chants et des poésies, et eux, ils ont rien fait du tout. Ils ont juste pris des coups dans la gueule. Mais prendre des coups dans la gueule, c'est pas vraiment quelque chose, je veux dire, c'est à la portée du premier imbécile venu. Bref, si vous voulez connaître la fin de l'histoire, c'est tout simple. Ça se passe dans L'âme de l'assassin, et c'est aux éditions Stella Maris, donc... Achetez-le vite, avant qu'il n'y en ait plus.